8 preuves que vous êtes sur l'ordinateur de vos parents. Quand on rentre chez ses parents pour le week-end et qu'on a oublié son chargeur d'ordi comme un con, on se retrouve parfois dans l'obligation d'utiliser une machine de l'enfer, un instrument de torture barbare, j'ai nommé l'ordinateur de tes parents. Si on y regarde de plus près, il y a 8 points essentiels qui différencient cette chose des autres ordinateurs. Numéro 1, il met une plombe à s'allumer. Et quand on dit une plombe, c'est une plombe. En vrai, entre ça et ça, vous aurez le temps de jouer au badminton, lire tout Kant, vous abonner à Tobito, deux fois même, il y a une vidéo sur un chat, elle est trop bien, construire la tour Eiffel en allumettes. Numéro 2, il est facilement reconnaissable à son énorme écran. Pourquoi le changer pour un écran LCD tout neuf? Puisque comme dit ta mère, il marche encore, ça suffit bien. On se demande souvent s'il faut pas un permis camion pour transporter ce truc. Numéro 3, il fait un bruit d'enculé. Et c'est très énervant! En fait, il y a 1 kg de poussière dedans. C'est pour ça. Mais votre maman, qui passe le plume au-dessus tous les jours, elle n'a jamais pensé à nettoyer l'intérieur. Du coup, il est tout encrassé. Et on n'entend rien. Numéro 4. Il y a plus de barres de recherche internet que de lettres dispo sur le clavier. Faut dire que le clavier, il a fait la guerre, et que dessus, il manque le T, le V, le B, ah, puis il y a le U aussi qui marche mal, faut juste appuyer un petit peu fort dessus. Bon, alors évidemment, si vous voulez chercher un truc, vous pouvez oublier Google. Maintenant, vous vous fierez à Bonks, Zglurg ou Jibax, et vous maudirez les salopards qui ont inventé ce truc-là. Pour profiter de la crédulité affligeante de nos pauvres aïeux. Numéro 5. Par contre, il n'y a qu'un navigateur. Et le prix du navigateur le plus lent, le plus inefficace de la décennie est décerné à Internet Explorer. Merci beaucoup. C'est vrai que je suis là et pété de virus, mais j'ai toujours eu le soutien de tous les anciens qui sont ma communauté. Et c'est à eux que je dédie ce prix. Je vous aime d'amour. Numéro 6. Il y a des tonnes de CD-ROM sur le bureau. Dans leur grosse boîte en plus. Car oui, il y a une époque lointaine où on pensait avoir entassé toute la connaissance du monde dans ça et ça. Vos parents, ils les jettent pas parce qu'ils ont toujours pas compris qu'on trouvait toutes ces informations sur Internet. Et nous non plus, on les jette pas parce qu'on se dit que peut-être un jour, il y aura plus Internet et le seul moyen de savoir si la tour de Pise, elle est bien à Pise, et ben ça sera là-dedans. Donc on les jette pas. Numéro 7. L'icône des mineurs n'est jamais fermée. Vous savez très bien que l'ordi ne sert qu'à ça, de toute façon. Numéro 8. Le fond d'écran est une photo atroce de vous avec un pull de Noël. Bon, elle est tellement couverte d'icônes que de toute façon vous n'arrivez plus à la voir. C'est toujours ça de prix. Par contre, vous devrez faire gaffe à bouger votre souris relativement souvent parce que si vous attendez trop, il y a ce truc de la mort qui va se lancer. Et si l'ordi rame comme il faut, il va vous falloir 10 minutes pour qu'il s'arrête. Alors faites gaffe à l'écran de veille. Voilà, si vous venez de regarder ça sur l'ordi de vos parents, ben on vous remercie parce qu'il a dû mettre une demi-heure à charger la vidéo. Et surtout, bon courage parce qu'il devrait mettre une bonne quinzaine de jours à s'éteindre. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, vous serez bien mignons. A bientôt sur Tobito. Faut bien m'abonner à Tobito. Je pourrais ne pas laisser le clic. Une dose de YouTube. J'appuie et je m'abonne. Abonnez-vous.